Le 21 décembre 2016, Zhang Xiulin, âgé de 88 ans, se rend au cimetière de Chorwu dans l'Anhui. Avec ses disciples de Tai Chi venus des quatre coins du pays, il vient y commémorer le souvenir de son maître, Ru Tihu. Nous rendons hommage à Ru Tihu, grand maître de Tai Chi. En ce solstice d'hiver 2016, notre disciple Zhang Xiulin est venu avec ses élèves commémorer son maître et son épouse. Sans votre enseignement strict, le Taiji ancien aurait été perdu. Les gens réunis ici sont tous vos successeurs. Héritiers de votre enseignement, nous le transmettons. Nous chérissons ce style de Taiji, préservant ses particularités et le transmettrons toujours dans sa forme la plus pure. Maître, reposez en paix. Merci, maître. Outre les nombreux élèves, les descendants de maître Ru Tihu sont également présents. Malheureusement, les petits-enfants de la famille Ru n'ont pas étudié le Tai Chi. Zhang Xiulin est donc le seul disciple vivant de Ru Tihu. Première inclination. Deuxième. Troisième. Veuillez brûler l'encens. Après la cérémonie, Zhang Xiulin et ses élèves pratiquent le Tai Chi dans le parc sépulcral en hommage au maître Ru Tihu. Exécuter ces enchaînements dans le plus grand respect de la tradition est le plus beau cadeau qu'il peut faire au grand maître. La rencontre entre Ru Tihu et Zhang Xiulin est le fruit du hasard. Un jour, Zhang Xiulin est allé dans un parc s'exercer à la boxe. Il ignorait que Ru Tihu, qui habitait en face, le regardait. J'adore le Wushu depuis l'enfance. J'habitais tout près d'un parc. J'y faisais des exercices matins et soirs. Et il habitait là, juste en face. Un dimanche, il est venu et a vu que je pratiquais le Wushu. Jeune homme, tu aimes le Wushu? M'a-t-il dit. J'ai répondu oui. Tu connais le Taiji Quan? J'ai dit oui. Alors, est-ce que tu peux me faire une démonstration? C'était en 1946. J'apprenais le style Yang du Taiji. Maître Ru a dit que mes mouvements étaient pas mal. Puis il m'a demandé si je connaissais le style Quan. J'ai dit bien sûr, c'est l'un des cinq grands styles du Taiji. Tu voudrais l'apprendre? J'ai dit oui. Il m'a donc appris cet enchaînement de base qu'on appelle les 13 postures. Au début de l'été 1950, Zhang Xiulin a 21 ans. Il reconnaît Ru Tihu, 53 ans, comme son maître et commence à étudier le Tai Chi auprès de lui. Maître Ru était très strict. Par exemple, on ne pouvait pas lui demander de nous apprendre un nouveau mouvement supplémentaire. Surtout pas. Il fallait d'abord bien faire les exercices. Lui, il lisait des livres de médecine, tout en nous regardant faire. Quand il trouvait qu'on faisait bien un mouvement, il disait qu'on pouvait en apprendre un nouveau. Son enseignement était très strict. Il enseignait au maximum un mouvement supplémentaire par jour. Ru Tihu naît en 1898 dans le Henan, dans le centre de la Chine. Il apprend le Tai Chi auprès de Chen Yanxi, grand maître de Tai Chi du style Chen. Après la libération, il s'installe à Wuhu, dans l'Anhui, dans l'est de la Chine. Ru Tihu excelle en Tai Chi Quan, mais il accepte rarement de le montrer et d'enseigner son art.
le maître Guo pratiquait la médecine traditionnelle chinoise et connaissait à fond la musique, le jeu de Go, la calligraphie et la peinture. Il m'a beaucoup influencé. C'était un érudit. Il nous enseignait tout en peignant et je garde encore de nombreuses œuvres de lui. Tang Shaolin a des goûts éclectiques depuis petit. Il aime la calligraphie et la peinture. Il est versé à la fois dans les lettres et les arts martiaux. Pendant son enfance, il apprend auprès de célèbres calligraphes locaux. À 13 ans, il commence à apprendre la gravure des sceaux. Ru Tiu lui enseigne également les techniques en la matière. Le bureau de Tang Shaolin est comme une petite bibliothèque des arts martiaux. Tous ces ouvrages traitent des arts martiaux chinois. Avant 1949, j'ai constitué une collection. Ces livres sont difficiles à trouver. Aujourd'hui, on ne peut plus se les procurer dans le commerce. Ici, ce sont des photos. Malheureusement, des dizaines de livres publiés avant 1949 ont été perdus. Tang Shaolin, né en 1929 à Refei, dans une famille de pratiquants d'arts martiaux. Petit, il aime déjà la lecture et le wushu. Au début, il ne pratique que la boxe de Shaolin. En 1946, Sha Guozhang est entraîneur de la succursale de wushu de l'école centrale des arts martiaux. Tang Shaolin le reconnaît comme maître et apprend plusieurs arts martiaux chinois. Il acquiert encore des connaissances auprès de Tiang Zhongqiao, maître de Sha Guozhang. Après le travail, Tang Shaolin étudie auprès de nombreux maîtres. Tang Shaolin est expert en wushu. Pourtant, il a l'air d'un intellectuel. Cela est dû à ses valeurs familiales. Mon père pensait que les arts martiaux ne devaient pas servir à se battre. À cette époque, je n'avais pas encore accès à la dimension culturelle. C'est à partir de 1946 que, sous la férule de Sha Guozhang, j'ai appris qu'un expert en wushu doit avoir l'air d'un intellectuel. Ainsi, aux yeux des gens, il n'apparaît pas comme une brute. Tang Shaolin étudie les arts martiaux pendant des décennies. Ingénieur de formation, il est diplômé du département de conception mécanique de l'Institut d'ingénierie de Ruizhong. Il était ingénieur en chef adjoint du bureau d'architecture industrielle de Tiutian. Après le travail, il consacre son temps libre à faire un travail théorique et synthétique sur le Tai Chi. La double flèche, c'est pour le pied droit. La flèche en pointillé, c'est le pied gauche. La flèche devant l'individu indique là où les directions que celui-ci doit suivre. Ça, c'est pour les exercices à faire à deux. Ici, vous avez les descriptions et au recto, mes croquis. Vous voyez ? Voilà les mouvements d'un pratiquant et voilà les mouvements de l'autre. Tout cela compilé fait un livre. Maître Zhang a également étudié la médecine traditionnelle chinoise, le yiqing, la calligraphie et la peinture. Depuis les années 70, Tang Shaolin fait des dessins au trait des techniques de wushu enseignées par Sha Guozhang, Li Zeming et d'autres maîtres. Ces dessins, qui illustrent le texte, facilitent la compréhension. Les 72 techniques de points sont rassemblées ici. Regardez cette technique, peu de gens la connaissent de nos jours. C'est très ancien. Beaucoup de gens apprennent les arts martiaux auprès de Tang Shaolin, mais peu deviennent ses véritables disciples. C'est seulement pour son 70e anniversaire que Tang Shaolin a accepté sa première promotion de disciple. Ce sont les qualités morales auxquelles il attache le plus d'importance avant d'accepter un disciple. Il y a trois vertus dans les arts martiaux chinois. D'abord, il faut la vertu du cœur, c'est-à-dire être bienveillant. Ensuite, il faut la vertu de la bouche, c'est-à-dire ne pas critiquer les autres. Enfin, il faut la vertu des poings, ne pas frapper autrui à sa guise. Tang Shaolin pratique les arts martiaux depuis des décennies. Il ne s'est blessé qu'une seule fois, mais cette expérience l'a profondément marqué. C'est pourquoi il met souvent en garde ses disciples. En 1972, j'ai appris un style de Tai Chi enseigné par le maître Han Lanyu à Beijing. Dans ce style de Tai Chi, il y a un mouvement appelé « frapper le bœuf derrière la montagne » dans lequel on donne un coup ici. La force de ce coup était tout à fait différente. J'étais sous le choc et en plus, c'était ma première expérience de ce mouvement. Il a voulu me montrer et j'ai trouvé ça très puissant. Depuis, je sais qu'il ne faut pas frapper de manière inconsidérée. Ah, c'est très bien, c'est ce mouvement, n'est-ce pas ? Il y a plus de 10 ans, j'ai entendu parler de lui quand j'étais à Chentiago. On parlait d'un homme qui habitait à Tiutian, dans le Jiangxi.
Cet homme, c'est Zhang Xiulin. Liu Yonghong est un acupuncteur qui exerçait à Beijing. En 2016, il est rentré à Chaochang, son pays natal. Suite à sa rencontre avec maître Zhang Xiulin, il a décidé d'apprendre le tai chi. Levez le nez, un angle de 45 degrés. D'accord. Oui, les extrémités du nez, de la main et du pied sont sur un même plan vertical. Il m'a semblé particulièrement doux quand je l'ai vu pour la première fois. Sa douceur correspondait précisément à l'idée que je me faisais du tai chi. Mais une fois que vous voyez une démonstration du maître, vous comprenez que son tai chi ne se caractérise pas seulement par la douceur, mais aussi par sa puissance. Regarde, tu as vu? Regarde comment je fais. Tous les mois, Luo Yonghong interrompt son activité professionnelle pendant environ 10 jours pour apprendre le tai chi chez Zhang Xiulin à Chaochang. Pour devenir disciple, il devra passer une longue série d'épreuves. Quand je vois le maître faire ses démonstrations, j'aspire profondément à atteindre ce niveau. Je pense que pour cela, pour réussir cela, il faut se donner à fond et le faire de tout son cœur. Lulin apprend le tai chi auprès de Zhang Xiulin depuis les années 90, mais elle n'est devenue son disciple qu'en 2015. C'est pour faire de l'exercice physique qu'elle s'est mise à apprendre le tai chi. Comme j'ai une formation en médecine, après la retraite, j'ai voulu me consacrer à la recherche dans le domaine du maintien en bonne santé. Je ne suis pas en bonne santé, mais grâce à la pratique du wushu auprès de maître Zhang, depuis je vais de mieux en mieux. Et maintenant, j'espère en faire profiter davantage de gens. Après son départ en retraite, Lulin, qui a la soixantaine, s'est éloignée de la ville pour ouvrir un salon de moxibustion dans la banlieue de Chaochang. Maître Zhang dit que le wushu a deux facettes. Il peut vous aider à vous sentir mieux, ou bien il peut vous blesser. Il faut donc avoir la bonne méthode. En plus de la moxibustion, Lulin enseigne aux patients les 13 caractères, c'est-à-dire une méthode élaborée par Zhang Xiulin pour rester en bonne santé. Au début, quand j'ai fait part de mon idée à Maître Zhang, il m'a dit que pour se maintenir en bonne santé, il fallait danser sur les places et non apprendre le tai chi car c'est du wushu. Pourtant, après quelques mois de pratique, beaucoup de gens souffrant de problèmes cardiaques, d'hypertension, de la colonne vertébrale, des lombaires et même du cancer se sentent mieux. En conséquence, j'ai dit au maître que le tai chi était un bon moyen d'entretenir sa santé et que les malades pouvaient profiter de ses bienfaits. Il en était très content et m'a promis d'enseigner le tai chi dans un parc. En novembre 2016, Zhang Xiulin, âgé de 88 ans, gravit encore une fois le mont Lu. Dans sa jeunesse, il venait souvent ici pour pratiquer les arts martiaux chinois et la peinture. Le ciel étoilé est une forme de tai chi créée il y a 10 ans par Zhang Xiulin. Le maître Zhang y a intégré le yi-ting, ses longues années d'expérience et beaucoup d'éléments d'arts martiaux chinois. Le ciel étoilé est une synthèse de son savoir. Le tai chi est difficile. En quoi est-il le plus grandiose ? Dans le fait qu'il peut produire de l'énergie sans force physique. C'est une création extraordinaire. Le plus haut niveau du tai chi réside dans l'intention. Il faut pratiquer avec son cœur.
Pour la plupart des sportifs professionnels, célébrer la fête du printemps en famille est le plus grand luxe qu'ils peuvent espérer s'offrir au cours de leur carrière. Habitués à mener une vie errante, les périodes d'entraînement deviennent paradoxalement pour eux le seul moyen de trouver un peu de tranquillité. Pendant la période de la fête du printemps 2017, l'équipe de Sanda de la province du Tilin, qui compte 20 membres, est venue à Sanya, sur l'île de Hainan, pour un mois d'entraînement intensif. C'est la première fois que je passe la fête du printemps en t-shirt à manches courtes. Beaucoup aimeraient passer les fêtes en famille, mais ils ne le font pas pour s'entraîner ici et à mes côtés. L'équipe espère avant tout profiter du soleil, des températures clémentes et de l'air frais de Sanya pour régler le problème de poids de sa capitaine, Liu Lingling. Elles font du sport. C'est l'équipe de yachting? Ça va? Fatiguée? Ça peut aller, mais j'ai les jambes en coton. Maintenant, il fait très froid à Changchun, dans le nord-est de la Chine, donc c'est difficile de perdre du poids. Habituellement, je peux perdre 300 ou 400 grammes en une matinée, mais ici, c'est presque 1 kilo. Quand j'ai le moral, ça fait la différence. Accélérez! Allez, foncez, encore une fois! 4 mois auparavant, l'équipe de Sanda occupait le premier rôle dans le gymnase de l'Université des Sports du Tilin. Dans le cadre d'un entraînement adapté, perdre du poids n'est généralement qu'un simple jeu de soustraction. Mais pour un athlète qui a beaucoup moins de graisse corporelle que les gens ordinaires, cette approche arithmétique ne convient pas toujours. Ces dernières années, je combattais chez les moins de 56 kilos, mais maintenant, je peux le faire chez les moins de 52 kilos. Ça veut dire que je dois changer de catégorie. Je connais bien la catégorie des moins de 56, mais je pense que je vais souffrir pour entrer dans celle des moins de 52. Les Jeux nationaux constituent un événement sportif majeur en Chine. Selon le règlement de la compétition, chaque équipe de Sanda féminin peut envoyer 3 athlètes, chacune dans une catégorie différente. Dans l'équipe du Tilin, l'athlète de la catégorie des moins de 52 kg s'est blessé et ne peut donc participer aux Jeux. Les sélections pour les Jeux nationaux étant prévues pour avril 2017, l'entraîneur en chef de l'équipe de Sanda a décidé que Liu Lingling devait remplacer la blessée et donc changer de catégorie. Dans la compétition par équipe, les résultats de chaque athlète sont très importants. Elle a donc une grande pression sur les épaules. Après une journée consacrée aux cours académiques, la salle d'entraînement de l'école des arts martiaux chinois de Laizhou s'anime. Laizhou, qui se situe dans la péninsule du Shandong, est le lieu d'origine du style Wu du Tai Chi ainsi que du Tang Lang Quan. C'est l'un des berceaux célèbres du Wushu. L'école des arts martiaux chinois de Laizhou forme d'excellents athlètes du Sanda. L'établissement est réputé pour son modèle pédagogique. Les élèves suivent un cursus sport-études. S'ils ne brillent pas dans les études classiques, ils peuvent tout de même s'assurer un avenir grâce à leur connaissance du Wushu. Au tout début, je ne connaissais pas le Sanda, j'étais juste allée à quelques entraînements pour voir quelle discipline me conviendrait. Finalement, j'étais la seule fille à avoir choisi le Sanda, les autres choisissaient le Taekwondo, mais le Sanda, qu'est-ce que c'était? Je ne savais pas. Les jeunes cherchent tous leur voie et la plupart d'entre eux optent pour la filière classique. Ce n'est pas le cas de Liu Lingling qui, encouragée par ses parents, commence alors une nouvelle vie à l'école de Wushu. Elle a une forte personnalité. Quand les autres se reposent, elle s'exerce en cachette. Toutes les filles aiment la beauté, mais on ne se pomponne pas pour aller à la salle d'entraînement. Si tel jour vous devez faire des roulades au sol ou des sauts périlleux, vous ne pouvez pas y couper. Il n'y a pas de place pour la beauté. Si vous voulez ménager votre amour propre, vous êtes trompé d'endroit. Ici, il n'y a de la place que pour l'entraînement. Je voulais partir. L'entraîneur savait mes conditions familiales. Quand j'ai voulu abandonner le Sanda, il m'a dit « Tu veux travailler la terre avec ta mère? Tu crois que c'est ce qu'elle veut? Réfléchis bien. » Et je me suis dit qu'il avait raison, que je gâcherais mon avenir en rentrant à la maison finalement. La persévérance ne donne pas forcément des résultats, mais elle génère de l'espoir. Après avoir terminé ses études à l'école de Wushu, Liu Lingling est sélectionnée au sein de l'équipe de Sanda du Jiangsu, où elle entame une période probatoire. Les Chinois aiment faire bonne chère, et Liu Lingling ne fait pas exception. La nourriture servie à l'équipe du Jiangsu dépasse ce qu'elle pouvait imaginer. Ses progrès techniques s'accompagnent d'une prise de poids.
C'est vrai que les repas au Jiangsu étaient bons. Je n'avais pas l'impression de manger beaucoup, mais en fait, si. Les jeunes en période probatoire ne sont pas tenus de suivre les règles strictes de l'équipe. Liu Lingling en profite pour faire des repas copieux et prend finalement de l'embonpoint. En Sanda, on répartit les athlètes en catégories selon leur poids et leur taille. La période probatoire terminée, Liu Lingling n'est pas admise au sein de l'équipe du Jiangsu à cause de son poids. À 18 ans, elle est à la recherche d'un emploi. Oh, on m'a dit qu'elle avait abandonné le Sanda et vendait des légumes avec sa mère. Quand je suis revenue du Jiangsu, j'ai pensé que je n'étais pas capable de continuer une carrière sportive. J'ai dit, pas question, c'est un bon élément. Si elle fait des efforts et persiste dans le Sanda, elle devrait obtenir des résultats. Xiu Guoyou est un entraîneur qui jouit d'une excellente réputation dans les cercles du Sanda. C'est d'ailleurs cela qui lève les hésitations de la jeune athlète. Elle fait un long voyage jusqu'à Changchun pour intégrer l'équipe du Jilin. D'abord, je lui ai dit que si elle voulait obtenir de bons résultats, elle devait perdre du poids. Si elle n'arrivait pas à atteindre un poids convenable, ce serait peine perdue. Aucun rêve ne pourrait se réaliser. Ça voulait dire qu'elle devait maigrir si elle voulait continuer le Sanda. La jeunesse ne se laisse pas abattre. Consciente de sa gourmandise, Liu Lingling décide immédiatement de prendre le taureau par les cornes. En l'espace d'une année, elle applique toutes les méthodes imaginables pour maigrir. Elle change du tout au tout et devient championne des régimes. En suivant l'exemple de son entraîneur, Liu Lingling réduit son poids de 65 kg à 56. C'est la victoire de la volonté. Les compétitions sportives sont sans pitié. Comme l'équipe a besoin de bons résultats, vous n'avez pas votre place si vous n'êtes pas performant. Liu Lingling mesure 1m60. Selon le ratio, la catégorie des moins de 56 kg est celle qui correspond le mieux à sa taille. À partir de 2011, elle prend pied dans l'équipe du Jilin. Elle commence à représenter la Chine dans les compétitions internationales. Grâce à ses années d'expérience et ses compétences techniques, elle remporte successivement 3 titres au championnat du monde. Afin de permettre aux athlètes de tirer profit au maximum de leurs plus belles années, Xiu Guoyou ne s'accorde plus aucun temps de repos. La salle d'entraînement devient son deuxième foyer. Dans le parc des sports de Xi'an dans le Shanxi, les exercices matinaux témoignent de la vitalité de la ville ancienne. Dans le gymnase qui se trouve au milieu du parc, les meilleurs athlètes de Sanda venus de 27 pays et régions s'affrontent dans le cadre de la Coupe du Monde de Sanda 2016. Liu Lingling vient de finir ses échauffements en attendant la finale de la catégorie des moins de 56 kg. Le Sanda n'est pas une discipline olympique. La Coupe du Monde et les Championnats du Monde sont donc les compétitions de plus haut niveau pour les athlètes du Sanda. Les compétitions internationales de Sanda se distinguent des autres par le fait que l'arbitre, indépendamment de sa nationalité et de sa langue, utilise le chinois pour donner ses ordres et annoncer les résultats. Liu Lingling est maintenant une habituée. Avec ses années d'expérience, elle est depuis longtemps déjà la meilleure dans la catégorie des moins de 56 kg. Qui sont ses adversaires? Quelles sont leurs caractéristiques techniques? Elle n'a plus besoin de faire beaucoup de recherches et de préparation. La jeune fille qui a failli tout perdre à cause de son poids profite maintenant des joies de la compétition. Un combat se remporte en 2 rounds gagnants. Il n'y a pas de surprise. À l'issue des 2 premiers rounds, Liu Lingling remporte de nouveau le titre mondial. Oui, ça vient de se terminer. Tu as vu? J'ai téléphoné à ma mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. C'est mon 4e titre mondial. Toujours paisible, le village natal de Liu Lingling ne s'anime que lors de grands événements comme les fêtes ou les mariages. Après ses championnats à Xi'an, Liu Lingling prend un jour de congé. La championne du monde rentre chez elle. C'est l'effervescence dans le village.
Les pétards sont le premier cadeau que les Chinois ont offert au monde. Pour accueillir Liu Lingling, toute sa famille en allume. Sa mère a même interrompu les soins aux jambes qu'elle reçoit en ville pour retrouver sa fille. À chaque fois que je reviens, je suis accueillie par de la pluie ou par de la neige. Les vents et les pluies sont opportuns et favorables. Le foyer familial est comme un aimant auquel on ne peut résister. La plupart des gens connaissent bien sa force d'attraction. Mais pour Liu Lingling, un repas, un jour de congé, un peu de détente dans cette atmosphère chaleureuse sont des moments rares. Au succès de Liu Lingling. Merci. À chaque fête du printemps, Sanya est envahie de touristes qui font des milliers de kilomètres pour jouir du climat doux de cette station balnéaire située sur le 18e parallèle nord. Agréable, Sanya est le cadeau affectueux de l'hiver. L'équipe du Tilin y loue une salle de sport pour en faire sa base d'entraînement. Changchun n'est qu'à 5 heures d'avion de Sanya, mais l'environnement y est très différent. J'hésite entre courir ou non, mais si je ne cours pas, je ne transpire pas et donc je ne perds pas de poids. Je me fais une raison. Allez! Une atmosphère d'intense labeur emplit ce lieu étranger aux membres de l'équipe. Hésitations et interrogations sont toujours les maîtres mots. Qu'à cela ne tienne, Liu Lingling et ses coéquipiers se donnent à fond et acceptent les sacrifices. C'est une persévérance qu'ils ont forgée au cours de leur vie d'errance. Cette période d'entraînement à Sanya touche à sa fin et par bonheur, le poids de Liu Lingling est tombé à 53 kilos. À l'approche de la compétition, elle a suffisamment confiance en elle. Par la fenêtre, le port animé de Sanya s'offre au regard. De retour à Changchun, on retrouve l'hiver rigoureux. C'est comme un vieil ami, un compagnon du quotidien. L'entraînement est-il rébarbatif ? Oui, au début, mais petit à petit, je trouve que ce n'est pas si dur. C'est la joie du Sanda. Tu es joyeuse ? Maintenant, je dirais plutôt que je ressens de la pression. Par exemple, l'entraînement mis à part. Non, je ne suis plus toute jeune et est-ce que je dois trouver un mari ? L'humanité ne cessera jamais d'arpenter le monde à pied. La vie n'est pas toujours rythmée par les sacrifices et l'inquiétude. C'est la première et probablement la dernière fois que Liu Lingling, âgé de 27 ans, participera aux Jeux nationaux. Le rêve brille dans ses yeux.